Nous, c'est l'Adaptelier, on a un service de couture qui est dédié à adapter les vêtements des personnes qui ont des difficultés à l'habillage, donc en général des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Et l'objectif, c'est de permettre à chacun de rester soi à toutes les étapes de la vie. On fait un cache-cache. Pour le vrai. Bah du coup, Hipster, pour nous, c'est l'occasion d'avoir un regard neuf sur notre projet, de parler de l'Adaptelier, et c'est un projet qu'on adore et on est trop contente d'avoir un retour d'étudiants et on a nous-mêmes participé à des bootcamps quand on était plus jeunes, donc c'est un peu rendre ce qui nous a été donné. C'est dur parce qu'on dit tout le temps qu'on est complémentaire. On est complémentaire. Bah l'Adaptelier. Une manière de voir la vie. Exactement. Nous, on est gentilles. Gentil, c'est pas un métier. La première, c'est qu'on a un projet social et engagé. Donc, pour les personnes qui ont envie de s'investir et de découvrir un peu le monde de l'économie sociale et circulaire, ça peut être hyper intéressant. C'est un projet qui est en développement. On a été créé en 2024, au tout début de l'année. Donc, il y a tellement de choses à faire et il y a plein de voies qui sont possibles. Et on est trois jeunes et donc, du coup, on n'est vraiment pas fermé aux nouvelles idées. Donc, je dirais que c'est un projet sur lequel vous pouvez vous éclater. Qu'on est hyper cool. Je pense que c'est une raison à part entière. Bon, on fait comme ça, moi je dessine Léa, toi tu dessines mes clubs de dessine. Ouais bah tu vas faire des traits oranges pour les cheveux, c'est ça. Je t'ai fait une petite couronne. On tire un troll. On tire un troll. C'est Halloween, Valère. Bienveillance. Agilité. Agilité et engagement. Oh, les canards directs, c'est marrant. Oh, le jambon mousse. Le jambon mousse, on pourrait peut-être faire des vêtements adaptés pour les personnes qui ont des jambons mousse. Moi, je dirais 40 canards parce que ça veut dire que t'as un fan club pour le reste de ta vie. Merci. On va juste faire un truc. Est-ce que chacun prend le dessin qu'il a fait ou le sien? Non, peu importe. Non, mais c'est très bien, merci.